The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog en compagnie de ma chérie d'amour. Coucou tout le monde. J'ai vu que vous avez vachement aimé l'ancien vlog, le vlog que j'avais fait la dernière fois. Et je me suis dit pourquoi pas vous en refaire un. Surtout qu'aujourd'hui, on va faire quoi aujourd'hui, ma puce? Le sapin de Noël. Voilà, on a décidé, ça fait quelques temps déjà que mes enfants me réclament le sapin. Allez écouter, j'aurais déjà fait le sapin début novembre. Donc là, nous sommes mercredi, attendez, bougez pas. Mercredi 28 novembre, il est déjà 10h15. Donc là, 10h10. Ouais, 10h12. 10h12, voilà, il est 10h12, je suis en compagnie de ma puce parce qu'elle, tout simplement, le mercredi, elle n'a pas école, elle n'a jamais école le mercredi. Et mon fils, lui, par contre, il est parti il y a 10 minutes, c'est ça ? Un quart d'heure. Ouais, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, il est parti à l'école parce que le mercredi, il commence à 10h. Mais... Enfin, 10h20, ouais, 10h20, il faut qu'il soit en cours. Donc, il part de la maison, il est 10h, sachant que l'école, elle est au bout de la rue. Il y a mon papa qui est venu tout à l'heure parce que comme on va faire le sapin aujourd'hui, j'ai tout ce qui est sapin, boule, guirlande, etc. Dans la cave. Ils sont tout est dans la cave et moi j'ai horreur d'aller dans la cave toute seule. Et en plus comme il y a beaucoup de cartons, enfin beaucoup, il y en avait 4-5 cartons à ramener. Voilà, j'ai demandé à mon père s'il voulait venir m'aider à porter tout ça en haut. Donc il y a mon fils qui va arriver tout à l'heure aux alentours de midi. Donc dès qu'il va arriver, on va manger et puis après, ben, on fera le sapin. Ce vlog-là, je pense que je le mettrai aux alentours du 1er ou 2 décembre, à mon avis. Parce que comme c'est un vlog, on va dire un peu Noël. Oui, ma puce, elle est malade. Elle tousse, elle est enrhumée. Voilà. Là, si vous m'entendez tousser, c'est... Voilà, elle est malade. Elle est malade depuis 2-3 jours. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, ce vlog-là sera posté début décembre. Je suis désolée pour... Franchement, je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout, donc je suis obligée d'allumer la lumière jaune. Franchement, c'est la galère, quoi. C'est la galère. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Là, je vais me faire un petit café. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention dans l'ancien vlog. Je vais allumer la lumière de la cuisine, ça sera peut-être mieux. Dans l'ancien vlog, vous avez dû peut-être voir une partie... Oh, j'ai mal cadré. Une partie de ma cuisine, vous avez pu constater que c'était une cuisine qui était de couleur rouge. Moi, j'en avais marre. J'en avais marre de voir cette couleur-là. Elle me sortait par les yeux et tout. Et donc, j'ai acheté du papier, vous savez, le papier autocollant là chez Action, la dernière fois. Et donc, j'ai recouvert les portes de ma cuisine avec... Et puis bah, je vais vous montrer ça de suite. Voilà les loulous, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais avant, voilà, c'était des portes qui étaient de couleur rouge. Et maintenant, je les ai mis, voilà, imitation bois gris, si on peut appeler ça comme ça. Là, vous avez la grande porte aussi que j'ai fait. Donc là, les loulous, je vais me faire un petit café. Je vais me poser un petit peu sur le canapé. Pendant que je prends mon café, on a déjà déjeuné ce matin, mais moi je suis madame café. Donc là, je vais me faire un petit café. J'ai commencé à répondre hier soir à vos commentaires sous ma vidéo vlog, ouais, l'ancien vlog que j'avais fait. Je pense que j'ai répondu à pas mal de personnes, quasiment à tout le monde, mais je vais revérifier parce que moi, voilà, j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un en fait. Parce que j'estime que moi je fais ma vidéo, vous prenez du temps pour la regarder, vous prenez du temps pour commenter. Donc pour moi ça me semble logique de vous laisser un commentaire, de vous répondre.
parce que je peux encore, voilà, je peux encore le faire. Je sais qu'arrivé à un certain stade, quand les youtubeuses commencent vraiment, vraiment, vraiment à avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés, elles ont du mal à répondre. Déjà, même moi, des fois, j'ai déjà du mal, alors que j'ai que 2100 et quelques abonnés. Alors, j'imagine pas les youtubeuses qui ont 5000, 6000, 10000, 12000 et voire plus, quoi. Donc voilà, donc là, c'est parti pour le café et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable. Wouldn't stand a chance, it's just too much to handle. I need an inspiration, another world I have to see. I travel with my pawn station to a place of fantasy. Whatever I wanna be, nothing blocks me, I'm free. Gonna be my enemy. Oui, les loulous. Ma fille, elle est trop contente. Mon fils, il n'est pas encore arrivé, donc il ne sait pas. J'ai mon père qui est revenu, toqué à la porte, il y a un petit quart d'heure, 20 minutes. Et il m'a dit, il y a ma puce, là, elle est trop, trop contente. Mon père, en fait, il est rentré, il m'a dit, il est rentré, il a toqué à ma porte. Et il me dit, ah, Paula, j'ai oublié tout à l'heure quand je suis venue pour t'aider à monter les cartons de Noël. Je suis rentrée de nouveau à la maison et ta mère elle me dit « Ah, t'es partie voir Paula et t'as oublié ça pour donner aux enfants. » Donc mon père il est revenu avec deux calendriers de l'Avent de chez Milka. Donc il y en a un pour ma puce et un pour mon loulou. Voilà, donc ma fille elle a déjà choisi le sien. De toute façon elle est à la maison donc elle a déjà choisi le sien. Donc ma puce elle a choisi celui-là. Je le trouve trop mignon. Trop trop mignon. Mais après, si Dani veut celui-là, bah, je sais pas grave, je peux faire l'autre, les deux, ils sont beaux. Ouais, les deux sont super beaux. Là, le 24... Donc celui-là, il est comme ça, là, avec le petit Père Noël, le petit cerf, là, voilà. Fait du patin à glace et tout, enfin bref. Et là, bah, il est dans un petit traîneau, il est super joli aussi. Et derrière, il y a un petit jeu comme ça. Là, je suis à contre-jour, ma chérie. Voilà, c'est bon. Il faut trouver par exemple 5 cadeaux bleus avec les bandes vertes. Il faut trouver dans le... Voilà, en fait, ce que ma fille, elle essaye... 5. Du coup, bah, il y en a un là. Voilà, en fait, ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que là, devant, vous avez le dessin. Et puis, vous avez plein de trucs style... Attends, parce que là, je suis à contre-jour, ma nénette. Donc, en fait, vous avez plein de... Vous savez, là, vous avez un cadeau... là vous avez un autre cadeau etc et en fait faut trouver tous les petits éléments voilà sur le dessin et derrière après faut cocher c'est à dire dès qu'ils auront trouvé par exemple admettons celui-là c'est pour mon fils dès que mon fils il aura trouvé 5 cadeaux bah, il coche là il y a un chapeau enfin 5 cadeaux bleus là il y a 5 cadeaux rouges là il y a une tasse là il y a un bonnet enfin bref et moi j'ai déjà trouvé tous ces éléments là. Voilà, ma puce, elle les a déjà trouvés. Et là, j'ai trouvé la moitié, parce que je veux... Voilà, et là, c'est pas vraiment les mêmes. Vous voyez, là, vous avez un sucre d'orge rouge avec un petit nœud. Et là, non. Alors que là, vous avez un sucre d'orge bleu. Bah, de toute façon, c'est... Là, il y a une tasse à café, ici. Et là, il y en a pas. Voilà, en fait, ça dépend le dessin. Parce que vu que c'est pas le même dessin, il peut pas y avoir les mêmes choses. Donc, voilà. Après, mon fils, je sais pas s'il le fera, parce que voilà, il a quand même 12 ans, donc... C'est moi qui le ferai. À mon avis, il va pas faire ça. Mais ma puce, si elle veut le faire, bah, elle le fera. Voilà. Je vous reprends là. Je me mets juste à côté de la fenêtre parce que je vous dis la luminosité, elle est pourrie de chez pourrie. Donc voilà, donc ma puce, elle est super, super contente de ces deux petits calendriers de l'Avent. Donc maman, si tu passes par là, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, voilà, et je sais qu'elle me met des pouces en l'air. Donc. Merci mamie. Voilà, donc Angie, elle te fait des gros bisous et on te dit merci voilà, pour les calendriers de l'Avent. Tous les ans, mes parents, ils leur achètent un calendrier de l'Avent. L'année dernière, c'était Kinder, c'est ça ma puce? Oui, l'année dernière, c'était Kinder. Ouais, voilà, l'année dernière, c'était le Kinder. Même l'année d'avant, je crois.
C'était le kinder. Ouais, et maintenant c'est le Milka. Bah, c'est mieux le Milka, mais le kinder c'est bon. Ouais, les deux ils sont bons. Ouais, c'est bien de changer, ouais. Et du coup, comment, ouais, tous les ans, elle leur achète. Il y a que bah, quand ils vont chez leur père, qu'ils peuvent pas prendre celui du vendredi. Si le vendredi, vous pouvez le prendre parce que vous êtes là le vendredi matin encore. Moi, je veux pas. Parce que samedi, dimanche, vendredi, je vais pas les manger. Si là, dès que j'arrive, et ben, j'aurai 4 chocolats à manger en tout. Bah oui. Bah oui, elle est maligne. Parce qu'en fait, quand ils partent chez leur père, ils partent le vendredi soir. C'est-à-dire, le vendredi matin, ils sont là, ils vont à l'école. Ma fille, je la revois plus jusqu'au lundi soir. Par contre, mon fils, lui, il rentre manger le vendredi midi. Et ma fille, ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que le week-end où ils repartiront, ma puce, elle prendra pas celui de vendredi. Et samedi, dimanche, elle pourra pas le prendre parce qu'elle est pas là. Donc du coup, quand elle reviendra le lundi, elle prendra celui de vendredi qu'elle a pas pris, celui de samedi, dimanche et celui bah, de lundi, quoi, quand tu viens. Oui. C'est ça? Comme ça, t'en auras 4 d'un coup. Ouais. Et je vais attendre le mercredi, c'est-à-dire ce week-end, comme on est chez notre père. Et ben, je vais pas le manger le vendredi, je vais pas le manger le samedi, dimanche, ni lundi, ni mardi. Comme ça, bah, le mercredi, bah, je mange pas. Donc, mais après, tu vas avoir une crise de foie, tu vas rien comprendre. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Enfin, bref, donc voilà, c'était juste pour vous montrer le petit calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc, merci à qui? Papi, mamie. Relais loulou, donc là, il est 13h05. Mon fils, il est rentré de l'école, il était midi et demi à peu près. Et je vous reprends là avant de faire le sapin parce que du coup on a mangé et tout. Et j'ai reçu un colis, donc ce n'est pas du tout un partenariat, un sponsor ou je ne sais quoi. C'est des choses que j'ai payées, voilà, que j'ai commandées, que j'ai payées. Par contre j'ai vraiment voulu vous en parler parce que je pense que peut-être ça pourra concerner quelques-uns d'entre vous. Je vais m'asseoir, je suis désolée toujours pour la luminosité parce que... Il n'y a pas du tout de soleil aujourd'hui. Le soleil, là, il est parti je ne sais où, mais en tout cas, il n'est pas là. Donc, je voulais vous parler d'un site auquel j'ai commandé. Ça fait déjà plusieurs fois que je commande chez eux. Peut-être certains seront peut-être concernés. D'autres, peut-être, vous ne serez pas du tout concernés, ça ne vous intéresse pas et tout. Ce que je peux tout à fait comprendre. Parce qu'il s'agit d'un site qui vend tout ce qui est cigarettes électroniques, fioles, etc. Vous savez, le liquide qu'on met dans les cigarettes électroniques. Et oui, je sais, c'est pas bien de fumer, je sais. Mais je sais que pas mal d'entre vous, de ma communauté, fument la cigarette électronique. Et je pense que peut-être ça pourra éventuellement... vous intéresser parce que ce site il est mais top du top. Ça fait déjà 4-5 fois que je commande chez eux et j'ai jamais été déçue. Le délai de livraison il est mais au top. Là j'ai commandé parce que j'avais une cigarette électronique, je vais vous la montrer. Celle-ci, voilà. C'est une Eastick Pico S. De la merde, voilà, je suis honnête, claire, franche, tout ce que vous voulez avec vous, c'est de la merde. Je l'ai achetée, elle fuit, je me retrouve avec les mains pleines de liquide à chaque fois. Donc j'ai été dans un magasin donc, de ma ville pour demander pourquoi ça fuyait et ils m'ont dit qu'en fait, en gros, je vous dis que c'est de la merde, mais à ce que le monsieur... m'a dit là le monsieur du magasin il m'a dit comme quoi c'était une super bonne cigarette électronique sauf que c'est pour ceux qui vapotent fort, or que moi je suis une vapoteuse mais je vapote légèrement quoi, je vapote pas non plus style comme ceux qui fument la chicha quoi. Et ce qui fait que le filtre bah il a pas le temps de s'imprégner de produits. Que du coup ça coule. Alors à chaque fois j'ai les mains pleines de produits, je remplis le réservoir là ici là avec le liquide, en même pas 10 minutes il n'y a plus rien.
Donc voilà, donc je suis tombée sur un site il y a quelques temps et il y avait de très très bons avis. Et du coup, j'ai passé une première commande, pas pour une cigarette électronique, mais pour acheter des fioles parce qu'ils font des petites, des 10 ml, je crois que c'est 10, vraiment les toutes petites. Et ils font vraiment les grosses, grosses fioles. Et moi, je cherchais justement les grosses parce que ça revient toujours moins cher que d'acheter des petites. Et du coup, donc j'ai commandé la première fois une grosse fiole chez eux et j'ai été super contente. Alors là, pour le colis que j'ai reçu, je vais vous le montrer. Hein. Je l'ai commandé avant-hier, et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, ça met vraiment une journée, voire deux jours, à moins que vous passiez votre commande le week-end. Mais sinon, si vous passez commande dans la semaine, ça met vraiment deux jours à arriver chez vous. C'est très 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 rapide. Le colis, il est super bien protégé. Vous payez pas les frais de port. Les frais de port sont gratuits. Alors je vous mettrai une petite annotation ici si je me trompe ou pas. Mais je vous écrirai ici une petite annotation. Mais il me semble que les frais de port sont gratuits parce que moi, il me semble que j'ai jamais payé les frais de port. Et en plus de ça, il vous demande à chaque fois de choisir un petit cadeau. Donc en fonction de la somme que vous payez. Vous avez des cadeaux que vous pouvez choisir. Plus la somme elle est élevée, plus forcément le cadeau. Vous avez un meilleur cadeau quoi. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ils m'ont offert des petits bonbons aussi. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà les loulous, là je cache mon adresse. Ça se présente comme ceci. Voilà un petit carton comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez du papier bulle. Donc là, je me suis recommandé une cigarette électronique. Donc ça, c'est là où vous mettez le liquide. Ensuite, ça c'est le bas de ma cigarette électronique. Vous savez, là où il y a la batterie. Ma cigarette électronique était livrée avec ce petit truc USB que je vais ouvrir et vous montrer. Voilà. C'est ceci pour, je pense, recharger la cigarette électronique. Ça, c'est aussi un chargeur USB. Ensuite, voilà la fiole que j'ai commandée. Donc moi, je prends toujours celle-là. Enfin, en ce moment, je suis à fond sur celle-là. C'est au goût bubble. Voilà, bubble gum et goût chewing gum, quoi. Et à la fraise. Il y a, je crois, 50 ml. Si ça veut faire focus... Voilà, c'est marqué ici. Et par contre, il n'y a pas de nicotine ici. Il n'y a pas du tout de nicotine. Donc en fait, certains, ils en ont. D'autres, ils n'en ont pas. Mais en général, les grosses fioles, elles n'ont pas de nicotine à l'intérieur. Et avec, ils me donnent, entre guillemets, enfin c'est compris dans le prix, deux fioles de nicotine. Donc ça, je les mélange à ça. Donc c'est 3 mg, je crois, de nicotine qui est à l'intérieur. Moi, j'en prends deux. J'en prends deux parce que moi, il m'en faut 6. Voilà. Donc ça, je le mets à l'intérieur. Je secoue et je mets dans ma cigarette électronique. Ça, je l'ai eu en cadeau. Voilà. J'ai choisi l'arôme que je voulais. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et ils m'ont offert plein de petits bonbons. Donc ça, moi, je suis pas trop accro à ces bonbons-là. Donc, il y en a 4. Je vais en donner 2. À chacun de mes enfants. Et voilà. Et le site, c'est ça. C'est Genericlop. Voilà, Genericlop. Voilà les loulous. Donc c'est Genericlop. Et ils sont vraiment au top du top. Donc si jamais... je sais qu'il y a certains d'entre vous et certaines qui fument la cigarette électronique. Donc je vous mettrai le lien du site. Hein. Par contre, je ne suis pas du tout payée pour vous parler d'eux. Ils m'ont pas... C'est pas du tout un partenariat. C'est rien du tout. C'est vraiment un bon plan, parce que pour moi, j'estime que c'est un bon plan que je voulais vous partager. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker le site et à regarder vraiment. Et puis, ils font souvent des promos et tout sur les fioles, sur les cigarettes, etc. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et maintenant, moi, je commande plus que chez eux. Re les loulous, donc ça y est, du coup, je vous ai pas filmé quand on était en train de faire le sapin. Oui, j'ai ma puce qui tousse, elle est malade. Elle est juste là. Elle tousse en rigolant, enfin bref. Donc voilà, notre
sapin de cette année. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Voilà notre sapin, donc il est de couleur blanc, gris et doré. Voilà, là j'ai mis un petit Père Noël qui grimpe à l'échelle. Également, je vais essayer d'acheter encore quelques petites choses pour mettre ici, parce que j'ai vraiment envie de faire un petit village de Noël, donc avec des petits trucs qui s'allument et tout. Je ne sais pas trop encore comment je vais agencer ça, parce que bon, bah, je ne veux pas non plus que ça nous gêne quand on va dans la cuisine. Donc je vais voir ça, ou je vais les placer sur une petite table à côté dans le salon, quelque part dans le salon. J'ai acheté ceci à Jiffy, ouais c'est ça, à Jiffy. Je sais plus combien je l'ai payé, et je l'ai accroché à ma porte du salon. Voilà, je le trouve trop trop mignon, c'est un petit Père Noël. Comme ça, 3 euros? Ah, ma puce, elle me dit que c'est 3 euros que je l'ai payé. Quand tu l'as pris sur l'étiquette, tu as marqué 3 euros. Ah d'accord, ok. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris, alors attendez, hop 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 hop, j'ai pris ce petit bonhomme de neige, tout mignon, je l'ai pris à Jiffy aussi. Lui c'était 2 euros et quelques. Ouais, je crois que c'était 2 euros, enfin bref. Ouais, 2 euros et quelques. Ouais, à Jiffy, et puis ce petit ours. Lui c'était 6 euros je crois. 6 ou 7, un ouais, truc dans le genre. Ou 7. Avec, voilà, qui fait du ski. Il est trop, trop choupinou, donc je l'ai mis ici. Et puis ça, c'est mon cerf, mais ça, je l'ai tous les ans, je l'ai. Donc, enfin, tous les ans. Je l'ai à longueur d'année, on va dire. Voilà, il n'est pas rangé dans les trucs de Noël. Donc voilà, ma petite table. Et puis voilà, sur la table, j'ai deux petites décos que j'avais achetées à Action. Donc, elles s'allument. Hop, tiens, ma chérie, tu peux allumer, s'il te plaît? Voilà, mais je sais pas si vous verrez grand-chose. Parce que bon, j'ai si un petit peu, voilà, parce que j'ai ma lumière qui est allumée et puis bon, bah il fait encore jour. Donc ça, pareil, hein, je les range jamais dans mes trucs de Noël. Hein. Ça reste ici toute l'année. Sur le côté. Voilà, ouais, il y a une petite lumière. Donc voilà les loulous, bah écoutez, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu, que notre petite déco de Noël vous a plu. Voilà, on a fait le sapin, j'ai mis quelques petites décos, je n'ai pas terminé parce que j'ai vraiment envie de faire comme un petit village de Noël. Là, bon, j'ai mis une crèche, parce que tous les ans, je mets une petite crèche et tout. Mais j'ai vraiment envie de faire comme un petit village de Noël. Donc, soit je vais le mettre sous le sapin, je vais faire une petite continuité et tout à côté de la crèche, ou alors je vais les placer sur peut-être 2-3 petits meubles que j'ai. Je verrai comment je vais faire ça, mais j'ai très envie d'acheter, vous savez, il y a même des comment on appelle ça, les trucs avec le cheval,
Les chevaux, déjà on dit. Les petits manèges, là, vous savez, avec les petits chevaux et tout, ça tourne et tout, ça fait de la musique, plein de lumière. Il y a aussi des petites maisons et tout, avec le Père Noël qui descend et tout ça, des petits bonhommes qui tournent et tout ça, qui dansent. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez déjà fait votre sapin et de quelle couleur est-il. Nous, vous voyez, on est resté sur les mêmes couleurs que l'année dernière, du blanc, de l'argenté et du doré. J'adore, moi, ces couleurs-là. Je trouve que ça fait très Noël, très festif. Parce ça que, fait très... Quand moi, j'avais 4 ans et Dani, je sais pas quel âge, quand il était petit, et ben, on faisait rouge, enfin, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais maintenant, on a voulu changer et ça fait depuis l'année dernière déjà qu'on a commencé à faire ces couleurs. Et c'est plus beau et c'est plus festif. Mmh. C'est un peu paillette parce qu'on avait acheté l'année dernière des petites boules de Noël pailletées, gris, blanc, avec des petits dessins pailletés. Bah, elles y sont encore sur le sapin. Donc voilà les loulous, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge là juste en dessous. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. On vous fait de très très gros bisous les loulous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.